bien de voir mon oncle. Ça va mieux. C'est bien d'avoir de l'argent. Oui, j'adore. Par contre, il y en a un qui commence à avoir des habitudes de riches. Le professeur, depuis qu'il habite ici, il nous prend pour des larbins. Il gueule. La prochaine fois, je lui fais une farce. Tu vas pas violer à chaque fois qu'il critique notre hospitalité. Vous savez, les gars, je ne sais pas si j'ai bien fait d'embaucher un nouveau stagiaire. C'était déjà arrivé de tomber amoureuse juste en l'ayant repérée dans un magasin. Un magasin, mais sous la production d'un père. Comme toi, ça m'envahissait. Oui, voilà, je focalise. Parce que je dois dire, mais c'est vraiment embaucher pour embaucher. On idéalise l'autre, tu trouves pas? À propos de focaliser, on en devient mon objectif. Ah ouais, et à propos d'objectif, je t'ai pas dit que j'avais une nouvelle caméra? Ouais, enfin, quand je dis nouvelle, c'est pas tout à fait ça, quoi. C'est mon père qui s'est acheté une caméra numérique. Du coup, il m'a filé son ancienne caméra. C'est quoi le format? Du 8 mm? Ah non, ouais, j'aurais dû dire caméscope, quoique caméra vidéo, ça marchait aussi. Ah? Ah, tu vois? Bah, j'ai juste dit ah? Ouais, mais c'est pas une raison. Bon. Mais j'ai juste dit ah? 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 Laisse, je vais le faire. Préparons le café de Monsieur Sam. Tu sais que ça me soulage d'avoir pris un stagiaire. Je devrais pas être ici. Quoi? C'est que la présence d'ici est issue d'une erreur sûre. Je t'explique, monsieur. C'est pour vrai? J'aurais dû me retrouver dans un commissariat. Non. Suite à une erreur de frappe de la secrétaire de mon établissement scolaire. Je me retrouve à Brandy Boniche. C'est pas vrai. Comment une erreur d'orientation peut-elle se jouer à une erreur aussi bête? Parce que la secrétaire normalement était en stage dans un cabinet orthophonique. La secrétaire a mal lu la fiche de liaison avec mon entreprise accueillante. C'est là qu'elle a fait une gaffe et c'était trop tard. Quoi? Au lieu de commissaire, elle écrit commis. Je disais, tu vois, c'est une VHS, quoi. Tu mettais la caméra... Non, tu mettais la... La cassette, hein, directement dedans. Oui, je connais. Il y a un menu, tu m'as acheté. Ouais, mais c'est pas une raison. Hein. Je disais. Mais il veut juste acheter un convertisseur numérique. C'était une cassette VHS. Tu mettais directement la cassette dedans, quoi. Il a envie de retrouver une qualité typiquement magnétique. Retrouver une bande passante réduite en luminance et en chrominance. Il prétend en avoir toujours marre de vouloir du HD. Il veut retrouver une définition de 212 points de rue, voire 240. Beaucoup plus arrondi, surtout pour regarder ça sur un tube cathodique. En fait, ton père, il bosse toujours dans le documentaire? Toujours un peu, mais il veut se lancer, figure-toi, quoi, dans le sitcom. Ouais. Sur fond de... comédie policière. Quand il était jeune, c'était tellement amateur que quand sa caméra avait plus de batterie, laisse tomber. Il passait directement, tu vois, il finissait en photo avec des buts. Une fois, il a dû passer direct quasiment en BD. C'est son côté étourdi. Alors, il justifiait toujours en disant « T'inquiète, on fera un montage ». Il s'appelle comment déjà? Guy?
Non, Yves, je crois. Non, Give. C'est un mélange entre Guy et Yves. Mais c'était pour se foutre de sa gueule dès sa naissance. Ah bah c'est agréable. Ouais, attends, mince. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'entends plus. Non, non, c'est parce que j'étais en train de me faire un café, mais comme je te parlais, j'ai un peu forcé la dose. Ah, c'est quand même mieux être le haut-parleur. Quoi? Ah, mais t'es folle de mettre ta voix aussi fort dans le haut-parleur. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah bah c'est agréable, mais c'est toi. Taxe-moi la bouche ce matin. Non, je parlais de mon kawa. Ah, je préfère. Celui qui aime le vinaigre, tant mieux pour lui. Mais pour les autres, bah... C'est agréable. Agréable? Bon, là je raccroche, hein. Ça commençait bien au début. Pour ne pas dire plus culturel. Mais là, ça commence à devenir plus primitif. Pour ne pas dire complètement n'importe quoi. Ah bah c'est agréable. Vous savez que le narval est un poisson de mer. D'eau. Oui, nous pouvons nous interroger sur des phénomènes voilà. Qui dépassent la science. En tout cas, celles que nous connaissons. Celles que nous avons intégrées. Alors, professeur, pensez-vous vraiment que les vapeurs de vinaigre auraient le pouvoir de générer un court-circuit proche de celui de la foudre? Non, quand même pas. Mais tout de même, à petite échelle, oui. Prenons ma sœur. Prenons le cas de ma grande sœur Hélène, à qui toute la famille avait attribué la responsabilité partielle de la brûlure de sa peluche, au niveau de son cul. Je veux bien évidemment parler de celui de sa peluche. Eh bien, comme elle se trouvait sur le parquet, mais près de la prise, elle a été un peu brûlée dès que ma sœur a éternué. Bah d'accord. Mais ça commence bien. Après avoir bu un verre de vinaigre. Ça donne envie de prendre des profs. Le vinaigre ayant probablement favorisé un court-circuit provoquant un arc électrique entre les deux pôles de la prise murale. Pour la petite anecdote, tout le monde l'appelait la princesse Hélène. Pourquoi? Eh bien, si vous décomposez le terme la princesse Hélène, vous prenez les initiales de la princesse qui donne LP. Auquel vous ajoutez l'initiale de Hélène, ça donne LPH. Pour ajouter les lettres L et N qui donnent la phonétique du mot Hélène, ce qui nous fait LPH Hélène. Oui, et alors? Eh bien, ça donne les initiales de la phrase suivante. La phrase, le neutre. Tout ça pour ça? C'est des théories d'apello, ça? Oh ben c'est agréable. Mais c'est du vinaigre, ça, au fait. Oh, dis donc, le disjoncteur. Oui, puis j'avais oublié de te parler de... Tu sais, la fille que j'avais rencontrée dans le magasin. Attends, je te mets sous le parleur, écoute. Oui, tu vois, cette fille que j'ai rencontrée, bah, je lui ai envoyé une petite lettre, là. Ça fait une semaine que je lui ai envoyé, et elle m'a toujours pas répondu. Tu crois que... Vous nous avez parlé de court-circuit. Peu de gens savent qu'un court-circuit allant jusqu'à l'incendie peut être généré par quelqu'un qui parle fort au téléphone. Surtout en mettant son haut-parleur. Il suffit qu'à ce moment-là, quelqu'un qui écoute la radio, les interactions provoquées par des fréquences vocales trop voisines peuvent avoir les mêmes conséquences que les vapeurs de vinaigre environnantes d'une prise de 220 volts.
Qu'il faut que j'attende. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ce bordel? Ah bah c'est agréable. Il faut un juste milieu, ni trop studieux et ni trop ouvrier, ni trop mais ni pas assez. Pas trop n'en faut, et ça c'est vrai qu'il en faut, pas trop et c'est pas faux. La chanson qui a pas l'air con, c'est quand nous montre sans en avoir l'air musical, que dans la vie générale, dans la vie en général. Vraiment faire con doit être ni trop nerveux et ni trop débranché, pas trop mais quand même un peu, ni trop ambitieux et ni trop étudiant, ni trop intello ni trop inconsistant.